retour dans la survie du week-end. J'avais l'impression que c'était des katanas, non? C'est des... Comment on appelle ça, des trucs de hockey, là? Pas des battes. J'ai mon cerveau... Je crois que mon cerveau est en train de mourir. Je n'ai plus de mémoire de plus rien, voilà. En tout cas, bienvenue. Par contre, je me rappelle qu'il y avait des loups à l'extérieur. Donc, on va faire un petit massacre. On va commencer par un petit massacre. Ça va être tranquille, ça va être tranquille. Donc, petit massacre. Alors, honnêtement... Alors, bon, on en a trois. Ah, on peut peut-être tester. J'ai envie de tester, en fait. Je suis assez curieux. Genre, je l'allume, je la dépose à mes pieds. Et on tire. Je pense que ça serait pas mal. Bon, d'abord, faut voir s'il y a toujours les loups, en fait. Alors, on va faire ça, et on va vite se retourner et rentrer. Normalement, c'est qu'une heure, donc il devrait encore y être. Non. Intéressant. Bon, je peux peut-être... Bon, bah du coup... Bon, ils doivent toujours être dans le périmètre, par contre. Du coup, ça, je peux mettre par terre. On va voir si on peut pas leur tomber dessus, par contre. Je vais voir ça. Alors, j'essaye de me rappeler par où il faut passer. Parce que je sais qu'il faut passer par les hauteurs, en fait. Je crois que c'est... Okay. Il m'a vu. Putain, plus vite. Voilà, ça c'est fait. Alors vas-y, on va tester. Alors, je voudrais juste tester. Venez. Allez, ramenez-vous, ramenez-vous. Je vous attends, moi. Je vous attends, moi. Allez-y. Viens, viens. Viens, je te défonce, je te tiens. Ouais, non, mais venez exposer, putain. Pas venir là. Allez, venez, je vous attends, je suis libre. Je suis là. Viens. J'ai l'impression d'être dans Predator. Viens. Ah la pute. Bon. En fait, c'est pas vraiment... Y'a quoi, là? On dirait qu'il y a une ombre. Ouais, en fait, non, c'est pas vraiment efficace parce qu'en fait, ça leur fait peur. Donc, ouais, non, pas très efficace. Ouais, non, pas pratique. En fait, parce que ça leur fait peur. Du coup, ils vont... Ils vont tout simplement fuir. Donc, du coup... Oh putain, je sais pas quoi. Je vais peut-être chier Interland, voilà. Non, du coup, c'est pas vraiment intéressant de faire ça. Parce que dès qu'on vise, en fait, il fuit. Ouais, bon. Bon, maintenant, on a deux cadavres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les découpe maintenant? Parce que, bah, il fait jour, en fait. Enfin, il fait jour, il fait pas froid. Donc, on va les découper maintenant, en fait. Comme ça, on aura de l'avance. Ah, il nous faut les boyaux aussi. Oui, oui, bien, bien, bien. Il nous faut aussi les boyaux. Ouais, il nous faut absolument les boyaux, en fait. Très bien. Ah putain, c'est reparti. C'est chiant ce truc, hein. C'est chiant. Bien chiant. Alors, fais voir si... Putain, est-ce que je dors une heure? Non, mais elle est pas fatiguée, je vais pas pouvoir... Non, faut juste que je me bouge un peu le cul. Faut qu'on trace un peu et tout ça pour...
pour qu'on se fatigue. Donc, par où on passe? Déjà, voiture. Ok, ça c'est bien. Il me faut du bois par contre. Il faut absolument du bois. Il faut absolument du bois. Ah, ça c'est bête, elle va avoir froid. Ah, non, il faudrait que je me réchauffe. Hein. Après, on peut faire du feu maintenant et faire cuire. Faudrait que je fasse cuire à côté de ce. Ah, attends, oui, on a du soleil là. Je peux en profiter ou pas? On va en profiter, comme ça on peut rester à l'extérieur en fait. Et je peux faire du thé et tout ça, vous savez, me réchauffer. Je peux faire un peu le tour du proprio et tout ça, tranquille. Ouais. Par contre, il va pas être très très chaud en fait. Être très très chaud en fait. Et merde. Ça. Il me faudrait plus de bois. Bon, je sais que je peux casser des choses là, mais... Parce qu'il n'y a pas d'intérieur, si je dis pas de conneries ici. Ah quoi? Si, techniquement oui, mais là non en fait. Là c'est toujours l'extérieur, donc il fait toujours froid. Pas mal. Normalement, on devrait en trouver pas mal des conserves comme ça. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ah, dis-moi qu'il y a du bois, là. Charbon, ok. Bois du bois. Ouais, on va trouver beaucoup de sardines ici. C'est une conserverie de sardines. Pourquoi? Donc c'est une bonne chose. Que j'ai trouvé. Ouais, ça c'est lourd. Ça on s'en fout. Nickel. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, fais pas ton malin. Hein.
Je savais que c'était le risque à courir, mais il me fallait de... Il me fallait. Tout simplement. Okay. Attends, je vais un peu réfléchir. On va se balader. Puis en fait, il faudrait... Alors, je crois qu'il nous faut une aurore boréale pour débloquer le passage pour aller au... à l'intérieur, là. Et je crois qu'après, du coup, on pourra y aller sans problème. On pourra faire des allers-retours sans l'aurore boréale. Je crois que c'est ça. C'est pour aller là-bas, je crois. Non ? Faut que j'aille en hauteur. On va essayer de se bouger un peu le cul. Faut faire un peu attention partout ici, par contre. C'est un peu le problème, parce qu'il peut y avoir des objets un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, je vais gueuler à chaque fois comme ça, comme un débile. Oh, j'ai pas marqué qu'il y avait une batterie. Attendez. Pardon. J'ai pas mis batterie sur le pont. Parce que je me suis rappelé maintenant, en fait. Désolé. Je mets jamais pause, normalement, mais... Là, c'est important. Parce que je vais jamais m'en rappeler, en fait. Allumette. Alors on a la corde. Alors je sais plus si on est obligé de la prendre ou pas. Starting to feel numb. Ah yes, on a chaud ici. Oh let's go! Let's go, deux batteries. Tiens, on pourrait se mettre là, je crois que c'est net, techniquement mieux. Ah tiens, il y a ça maintenant. Waouh, super. Techniquement, on pourrait se mettre là, c'est plus intéressant, je crois, que le mobilhome. J'en sais rien, en fait. Plus ou moins la même chose, sauf que là, c'est à l'extérieur. Porte vitrée. Genre ça c'est censé être des vitres. C'est bien. Donc on a une batterie ici. Intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre là? Parce que c'est un peu loin, en fait. Je crois que le meilleur camp reste là-bas. Hein. Reste quand on l'ouvre, en fait. Attention, s'il peut avoir pas mal de choses ici, un peu partout. Je vais être honnête, je connais pas complètement les lieux d'emplacement pour les objets. Donc, du coup, faut que je fasse un peu attention. C'est bizarre parce que je regardais notre chaleur, elle descend extrêmement basse, extrêmement lentement, alors qu'on est à moins 17. Enfin, on a 3 flèches. Oh, c'est bizarre. Et là, on a beaucoup de bois. 44-81. Je crois qu'on va devoir aller se coucher. Se reposer. Sérieux? Tu sais que t'es... Ah, t'es peut-être pas solo en fait.
Bon, on va dormir. On va peut-être dormir maintenant, histoire de d'être un peu en forme, en fait. Pour une potentielle aurore boréale. Je pense que ce serait pas mal. Je vais voir un peu notre poids. Ouais, j'ai laissé pas mal d'objets à l'extérieur aussi. Ouais, faut que je fasse le tour là. C'est un peu embêtant. J'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop camper ici. J'aime la zone, mais j'aime pas trop camper ici parce que. En fait, on a plusieurs endroits où on pourrait potentiellement camper. Les endroits sont un peu chiants. Parce qu'ils sont des fois loin et tout ça. Enfin, c'est pas. Je sais pas. Je suis pas très fan en fait. Je suis pas très fan du lieu en lui-même là où on est. Je sais jamais où me mettre en fait, tout simplement. Je sais jamais où me mettre. Ok, let's go. Alors maintenant, il faut aller où? Faut prendre la corde. Je crois qu'il faut prendre la corde en fait. Quasiment certain qu'il faut prendre la corde pour aller là-bas. Pas, j'ai mis en place système pour rester au-dessus d'eux, mais ils ne veulent pas partir, parce que toutes les nourritures sont variées. Je vais essayer de faire quelque chose, fallait monter cooking à 5, quelque chose dans l'atelier, l'éveil conservatif, mais franchement j'ai peu d'espoir. Je vais voir que vous allez pas tarder à arriver, je laisse ça ici en cas de se traîner le moins dans le magasin. Attendez, on va directement aller... Ou alors c'est peut-être pas par là, là c'est pour aller sur le bateau en fait. Je me rappelle plus. Là, ils peuvent pas venir, par contre. Je crois. Ok, non, mais je suis sur le bon chemin. Faut que je monte et qu'on fasse tout le tour. Là, il y a un couple. Ça, c'est triste. Allez, apprendre à bouffer les loups, hein. Ah, mais c'est un... Le cadavre gelé, mais en fait, il y en a que... Il y a deux corps. Donc... Ouh, regardez ça. Et ouais, tout est avarié. Fallait monter cuisine niveau 5. Fallait faire un arc, des flèches. Ah putain, c'est trop long. Attendez, on va... On va aller... Alors, je sais qu'il y a des objets partout. On va aller d'abord débloquer... Débloquer le truc, en fait. Ah, le bruit qu'ils font. Le bruit qu'ils font quand ils sont comme ça. On a combien de 44 ? On n'est pas très lourd, en fait. Alors je sais qu'il y a des objets dans les coins et tout ça, mais ce qu'on veut c'est se bouger le cul.
se bouger le cul pour... pour aller ouvrir le machin. Bon, faut que j'arrête de prendre des objets, parce qu'on va être trop loin. Ça, on peut le faire sans sans aurore boréale, donc autant se bouger le cul. Je crois que c'est ça, hein. J'ai un doute maintenant. On est où, là? Oui, on est bon, on est bon, on est bon. Ça, en dessous, hein. Voilà. C'est bon. Yes. Bravo. On est arrivé. Alors, faire gaffe au câble. Oh la vache. Putain de ta mère. Ah, la surprise, en plus c'est un loup normal quoi, saloperie. Alors, on a... hop, hop. Hémorragie, morsure de loup, hémorragie. Et après il faut faire ça parce qu'on a risque d'infection. Nickel, vêtements. Ah putain, ça a pris cher ça. Fait chier. On a pas mal de trucs qui ont pris cher. Ça, ça. Ça, c'est le plus chiant parce que je peux pas le, le réparer. Oh putain, saloperie de merde. Depuis quand il y a un loup à l'intérieur? Pas trop grave, mais... le truc, il est à combien? 18%. Ouais. Si je le répare pas, on va le perdre. Bon, après, c'est comme j'ai dit, c'est pas très dur à faire. Il faut juste des oiseaux. Parce que... c'est sûr que l'autre, il est mort. Il est mort, ça y est. Quelle saloperie. T'es mort électriquement ou t'es mort comment? Alors, maintenant on peut faire établi à munitions, qui est complètement inutile pour nous. Normalement, il y a des petits tiroirs, voilà. Ah, putain, je suis dégoûté. Ça, c'est la forge à munitions. Il faut la... c'est pour créer des balles. Ça, la fraiseuse, on peut du coup réparer les objets. Et en gros, là, c'est les pourcentages illimités, quoi. On n'a pas besoin de pierre, en fait, pour aiguiser et tout. Bon, après, il n'y a rien qui est très, très abîmé. On s'en fout un peu. Mais à chaque fois, il faut un petit beau morceau de métal et hop, c'est nickel. Vraiment cool, la fraiseuse. Vraiment très cool. Ah, ça me dégoûte un peu. Surtout qu'on n'a pas vu d'oiseaux. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas, en fait, dans cette région. Donc, bah, c'est notre truc. Honnêtement, on peut le virer. Hein. On peut peut-être mettre les crampons à la place. J'ai envie de dire. Ouais. Par contre, les moufles, elles ont pris cher aussi, ça m'emmerde. Et ça aussi, ça a pris cher. Faut qu'on aille. Ah, faut qu'on aille chasser des lapins relous. Ouais. Il nous faut des lapins. Il nous faut des lapins. Ah, bien.
Faut qu'on ait plus de... C'est quoi ça? Tour de quai. Ah tiens! Tour de... des quais. Une bonne tourtre préparée avec des prises du jour. Toute la saveur de la mer. C'est une des recettes. Tourte de quai, c'est ça. C'est le truc le plus inutile au monde. C'est ça? Ouais, avec deux pommes de terre, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ah, t'inquiète pas que celle-là, je la trouve. Hein, mais l'autre du gratin, là... Pas du tout. Pas du gratin, les pommes de terre, là, que j'avais montré. Bon, on a des très très bons objets. Hein. On a trouvé des très très bons objets jusqu'à maintenant. C'est vraiment cool. Bon, ça me fait un peu peur, c'est pour les vêtements, là. Ils vont se casser. Il y a les moufles et tout ça, et le... Le chapeau, là, il va se casser si ça continue. Il faut vraiment absolument qu'on trouve des lapins rapidement, de 1. Et il faut qu'on aussi on fasse sécher la peau, quoi. Donc, bah, c'est vraiment la merde. Je sais même pas où on peut trouver des lapins proches. Je sais même pas si on en a vu en fait. Ah, je suis certain qu'il y en a, hein. C'est pas la peur de ne pas en trouver. Mais... C'est juste qu'il faut en trouver vite. C'est ça le problème. Il y a un marteau. Baril, faire du feu si on veut. Bon ben voilà. Ça, on verra ça après. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais être honnête, je crois que ça vaut le coup de rester là. Okay. Alors, vieille antenne radio est censée transmettre la météo, mais elle n'est pas foutue de fonctionner plus la moitié du temps. Depuis le glissement de terrain, elle a été de l'été dernier, on ne peut même plus remonter la route pour aller voir ce qui se passe. Ça c'est... il parle de la tour en haut là. Bird dit que la seule sortie de l'autre côté de la montagne, pas loin du ravin, entre le parc... Là, en fait, il nous dit où trouver le code, hein, au final. Que compte faire la direction, on aura beau automatiser tant qu'on voudra, on ne peut pas aller vérifier l'équipement, il ne tiendra pas bien longtemps. Je sais qu'il y a un technicien quelque part sur l'île qui travaille pour l'entreprise qui gère les tours. Peut-être qu'il peut nous aider. Et tant que tu es là-haut, n'oublie pas de noter le code pour la porte de l'atelier. Donc ça, c'est où on a trouvé le code. On va faire ça. Ouais, je crois que c'est le meilleur endroit ici, parce que, en fait, vous pouvez faire du feu techniquement à l'extérieur. Donc c'est le meilleur endroit. C'est juste que pour venir ici, c'est un peu relou. Faut tout le temps prendre la corde, je crois. Je suis pas trop sûr de ça. Moi, je sais que j'avais fait un lieu ici.
ça. Déposer. Honnêtement, le pistolet de détresse, ça m'intéresse pas des masses non plus. Après, j'avoue que c'est loin. C'est pour faire des balles, donc autant rester dans ça là. Mais on a encore super méga lourd. Ah ouais. Ah putain. Ah pardon, je voulais pas mettre pause. Je suis allé trop vite dans... Et moi je dormais ici en fait. Si je me rappelle bien. Parce que ici c'est pas l'intérieur, je crois. Il fait il fait plus chaud, mais c'est pas l'intérieur. Donc du coup c'est pas mal. Bon allez, on va encore fouiller un peu. On va devoir aller trouver le bunker à un moment ou à un autre. Je pense pas qu'on va le faire dans cet épisode, pour être honnête. Je pense que ça va être plus tard. Après, on est pas mal en hauteur pour faire pour tuer les loups. Mais ouais, non, on peut pas passer. Hein. Non, faut prendre. On peut. C'est que en hauteur, t'es sérieux? Je suis quasiment certain qu'on pouvait. Non, je peux pas, hein. I can't feel my feet. Ouais, c'est cool. Ouais, à chaque fois, faut prendre la petite corde. Bon, c'est pas très... La corde, c'est pas un problème. C'est juste que c'est un peu loin, quoi, à chaque fois. Après, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire du feu, du coup. Bon, allez, on va aller se coucher. Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de vie, quand même. C'est par où. On va voir, il y a quoi, là. Ah oui, non, mais c'est par où. Ah, j'avoue qu'on a perdu beaucoup de vie, en fait. J'avoue. Alors, ce qu'on va faire pour les vêtements... ça...
J'ai plus de viande. Ouais, faudrait faire un gros feu en fait. Ça, honnêtement, les boîtes de sardines, j'ai envie de toutes les garder. Et de toutes les ramener en fait à la maison. Ah, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah putain, j'ai merdé. J'ai merdé. Bon, ça c'est mort, je peux pas réparer. Ah, ça m'embête, hein. Là, j'avoue que j'ai... Putain, en plus, je crois que c'était la dernière fois que j'avais dit que... Genre, je peux pas le réparer. C'est ces deux trucs qui te cassent, quoi. Enfin, qui cassent. Qui prennent très cher. Ah, c'est vraiment pas de bol, quoi. Vraiment pas de bol. Les loups hein, qui traînent. On a récupéré un peu de vie. Pas énorme, mais on a récupéré. On va essayer de faire un petit transfert d'équipement. Toujours très froid, très embêtant. Faut qu'on récupère plus de nourriture, qu'on récupère. Plus de tout en fait. Là, je peux pas revenir en plus si. Là, je peux pas revenir. Est-ce que je peux sniper un truc d'où je suis? M'étonnerait. Ah, ça me frustre là, c'est pas... Ah, le coup des lapins là qu'il va falloir trouver. Jesus, it's cold. Ah, ça me... Ah, ça me gave. Donc ça, on avait fouillé ou pas? Je sais qu'il y a un grand passage en haut qu'on n'a pas fouillé du tout. J'avais fait exprès pour qu'on se bouge un peu les fesses. Ah, c'est casse-tête. Là, il faut que je réfléchisse un peu. Faut que je réfléchisse un tout petit peu. Bon, on a des boyaux, ça c'est bien. Enfin, les boyaux, ça va mettre 3 plombes à sécher aussi. Après, on peut les recrafter, les objets. C'est pas vraiment grave. Il me faudrait en fait des oiseaux. Il me faudrait des lapins. J'avoue que c'est pas... C'est pas le top.
Alors 0,10 pour 300 calories. Je pense que ça vaut le coup de les garder. Juste pour le kiff. De toute façon, honnêtement, on n'en a pas besoin. Donc, techniquement, on s'en fout un peu. Je vais être franc. C'est des trucs qu'on va devoir prendre. Après, c'est comme je disais, hein, c'est une zone, une extrémité. Donc, c'est pas vraiment l'endroit où on va rester. Les sodas, on va les boire. C'est pas vraiment une zone où on va aller souvent, en fait. Parce que c'est très chiant pour venir ici. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, du coup, on va devoir ramener le plus possible. Là, on va mettre l'électrique qu'on a là. Très bien. C'est cool. La lampe. Allez, taille-moi ça. J'avais pas mis 4 par terre. Ça aussi, pas besoin. Et la porte, on l'a ouverte avec le code. Hein. Bien sûr, la porte s'ouvre seulement quand il y a de l'électricité. Donc, aurore boréale, évidemment. Devoir aller à la chasse. On va devoir aller à la chasse ou faire du feu en fait. Je pense que ça va être la chasse. Après, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Comme j'ai dit, je voudrais garder ça. Il y a la nourriture pour chien, parce que je pense pas qu'on pourra en faire quoi que ce soit un jour. Ah, me dis pas qu'il y a une tempête. Je crois qu'il y a une tempête. Froid. Alors, je vais voir dans le périmètre s'il n'y a pas des lapins. Parce que là, on est opération lapin. Là, c'est opération lapin. Et je crois qu'en plus, ça, c'est un truc aussi. Je crois que les loups gris n'attaquent pas les lapins. Je suis pas sûr de ça. Je sais même pas si... ils agissent comme des loups. Normaux, pour ça. Donc là, il n'y a rien. J'entends des bruits. On va prendre de la hauteur, on va regarder, puis après on rentre. Il y a un qui bouge. My fingers feel numb. Bon, allez, on rentre. On va rentrer. Oh, so cold. Ouais, on va rentrer, on va essayer de se mettre à l'abri là où on... Ah putain,
partir. Faut remonter la corde, faut refaire tout le tour et tout ça, ça c'est chiant. Pour aller faire du feu, comme ça on est à l'extérieur, vous savez, le feu dure un peu plus longtemps. Parce qu'on n'a pas trop de choses en fait à brûler. Ça, ça prend quoi, 30 minutes, 50 minutes, une heure. On peut faire ça. Ok. Là, on laisse tout, il n'y a pas de problème. Ok, il fait toujours très froid. If I can drop any of this gear. J'ai fouillé ça? J'ai fouillé mais j'ai pas vu le cadavre. Bouge, te casse la gueule moi, te casse la gueule. Je te prends, je te retourne balayette. Putain, mais t'es vraiment sérieux, il faut faire ça, je crois. Très bien. Vous voyez, pour ça, c'est utile. En train de me demander si je devrais pas genre farmer est-ce que si je passe là j'arrive au camp ou pas. Je suis en train de me demander est-ce que je devrais pas farmer de mon côté pour aller trouver des lapins au lieu de me prendre la tête en épisode, ça sert à rien. En fait on va aller au camp là pour faire les bombes et tout ça. On va y aller seulement pour faire du feu en fait. C'est l'endroit le plus simple pour faire du feu. C'est à l'extérieur et c'est protégé. Absolument que je regarde si à chaque fois je dois me taper ce chemin ou pas, parce que là, j'ai un doute en fait. Là, on prend quand même bien cher à chaque fois. Est-ce que si on tombait de l'autre côté, est-ce que ça nous menait à l'endroit où je veux? C'est ça que je savais. Je crois pas. Hein. On est presque. Non, il faut faire ça à chaque fois. Oh la vache! Ah, il fait encore trop froid, quoi. Bon, on va se réchauffer une seconde et on va faire un peu de feu. Aïe, aïe, aïe. Ah, on prend cher, hein. On prend cher avec le froid, là.
Ah putain, qu'est-ce que ça m'a... Ah, ça m'énerve. Oh, mais d'une force. J'imaginais même pas. Bon, après, ça se détériore pas des masses rapides, donc ça, ça peut aller, ça va. Mais... Ah la vache, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, tiens, c'est marrant. Maintenant, on a chaud. Mais t'es sérieux, le jeu? Genre, tu updates pas ou quoi? Très bizarre. Genre, je vois pas pourquoi... On avait chaud et après, on a plus chaud, quoi. Très bizarre. On est arrivé ici, on avait froid encore. On était à l'intérieur, on avait froid. Maintenant, on a chaud. Alors, ça, ces conserves, c'est pas vraiment grave de les laisser ici. Parce que ici, on peut en faire des bombes. Ah non, c'est pas là, les bombes. Ici, c'est que les balles. Non, non, j'ai de la merde. Non, non, j'ai de la merde. On avait trouvé un faitout. Attends, on avait trouvé un faitout quelque part. Je l'ai pas pris. Je suis sûr qu'on avait trouvé un faitout dans la maison. Genre la maison quand on était là-bas, non? Je me rappelle plus du tout. J'ai envie de réparer ça par contre, parce que si jamais le note se fait déchirer, ça serait une bonne chose d'avoir de côté en fait. Alors faites voir, je vais vous montrer le bug. Là on est à 5% humidité. 4%, ok ça marche. Ah quoique, je peux me mettre à l'abri du vent en fait, donc peut-être qu'il n'y a pas le bug. Ok, 5% humidité ça augmente. Ah mais là je peux me mettre à l'abri donc normalement ça devrait pas faire bugger. Ah 6%. 5%, ok. Non c'est parce que je suis à l'abri du vent, ça bug pas. Regardez. Mais si ça buguait, ça poserait problème. Enfin, si on n'était pas bloqué du vent, ça poserait problème. Enfin bref, c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment très grave. Qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est bien ça. Bon ben voilà, c'est bien, on a bien avancé, on a fait pas mal de choses hein, entre... Là, on a toujours le buff. Pourquoi on a toujours le buff? What? Mais attends, on a dormi depuis, non? Non, on n'a pas dormi. Non, parce que j'ai utilisé pour monter toute la viande. Non, j'ai remis. Enfin bref, putain, je suis en train de m'emmêler le cerveau, là, c'est ouf. Mais ouais, bon, on a fait pas mal de choses, c'est bien. On a débloqué tout ça. Le gros point négatif de l'épisode qui va nous poser problème jusqu'à ce qu'on parte, c'est le fait de s'être fait attaquer par l'ours. C'est un problème. C'est vrai... par le loup, pardon. Le loup à l'intérieur. C'est vraiment un problème. Et je vais être franc, ça m'embête un peu.
Ça m'embête énormément, même. On verra ce que je fais. Bon, ça, on peut le réparer, c'est pas trop grave. Ça aussi, il a pris cher, je pense. Ça, ouais, il nous faut des lapins. Ça, c'est mort, je pense. On peut oublier. À moins qu'on trouve des oiseaux ici, mais je suis sceptique hein, sur le fait qu'on en trouve. On a trouvé beaucoup d'allumettes par contre, ça c'est cool. Je suis sûr qu'avant je pouvais mettre des trucs sur les robots. Après on a des étagères là, on pourrait mettre des trucs sur les étagères, mais bon. Pas vraiment pratique. 1h15. Ok, très bien. Attends, on va peut-être faire de l'eau. On va manger le loup, parce que le loup c'est 1 kg pour 800 et quelques calories, alors que ça c'est... Ouais, on l'a déjà grignoté, mais c'est pas grave. J'aurais dû penser un peu plus tôt à ça. Bon, ce qu'on va faire, on va continuer à faire du... On va continuer à cuire tout ce qu'on a là, et après on va... Bah, du coup, on va s'arrêter, je pense que ça va faire 1 heure. Il faudrait en fait qu'on se fatigue un peu plus. Qu'on fasse passer du temps et tout, mais je sais pas trop quoi faire en fait. Par de l'eau, ouais, à la limite de l'eau, hein. J'ai rien à coudre et tout parce qu'on n'a pas le nécessaire. J'ai pas grand chose à transformer. Alors, attendez, peut-être que oui. Il y a quoi, 4. Reishi, on l'a déjà fait, ouais. Non. Et ce qu'il nous faut, c'est des... ça, là, je sais pas comment ça s'appelle. Des barbes de Jupiter, il nous en faut. Parce qu'on n'a plus que 2 mèches. Ça, c'est un problème, parce que si jamais on a... On a encore des blessures et tout ça infectées, donc ça peut être un problème. J'avoue que je suis un peu léger en médecine, en fait. Ça m'inquiète un peu. On est léger en médecine, plus on est léger en matériaux. Bon, après, on va pouvoir faire des flèches dans pas très longtemps et bien sûr un arc. Faut qu'on récupère plus de boyaux aussi. Faut absolument que j'aille à chasse au lapin, en fait.
Ouais. Il y a pas autre chose en fait. Il y a absolument pas autre chose à faire en fait. On va déposer le bois qu'on a. Ça, je suis content, c'est pour les allumettes. Là, j'avoue. J'avoue être bien content. Parce que là, on en a un bon paquet d'un coup. Ok, parfait. Bon, ça va. Est-ce qu'on fait un thé histoire de d'essayer de se remettre un peu plus de vie ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose à construire? Non, je peux pas le construire là. Il faudrait que je construise en temps ou pendant la journée ou pendant une aurore boréale, genre crafter. Ouais, non, enfin, je peux rien faire encore pour le moment, mais si jamais je veux crafter, ouais, ok, ça marche. Y'a pas de problème. Fait un peu froid, mais ça va. On a le sac de couchage. C'était pas 14 degrés au maximum. C'est bête, si on avait le... Si on avait tous nos vêtements, ce serait bien. Alors, est-ce qu'on prend un thé, comme j'ai dit, une tisane, pardon, pour récupérer un peu plus de vie? Je sais pas si on en a vraiment besoin. Je dirais que si on est à moins de 50%, on la prend. Mais là, ça devrait aller. Je suis en train de me fatiguer un peu plus en fait. Mais ouais, parce que j'ai rien à faire en fait. J'ai strictement rien à faire. Ah, ça m'embête. Mais en tout cas, on verra ça la prochaine fois. On va dormir, on va essayer de dormir le plus possible, récupérer pas mal de vie. La prochaine fois, on va essayer de donc chasser les lapins. Parce qu'on a une grande zone normalement. Une grande zone où on est là. Là, on a une grande zone, je crois, de forêt et tout ça. Et après, nous, on va devoir genre venir par là, parce que là, il y a sûrement le bunker. Donc, on va devoir faire ça. Voilà. C'est pas très compliqué, mais je suis pas encore prêt à partir, en fait. Mais il faudra absolument qu'on essaye de trouver des lapins. C'est le plus important. Comme ça, on peut mettre les pots de côté et tout ça. Et tout séchera, en fait, pendant qu'on fait tout le bordel dans notre zone, en fait. Voilà. C'est vraiment ça qui est important. Et peut-être avec de la chance on trouve les pigeons aussi. Allez, c'est pas des pigeons, des oiseaux. Peut-être qu'on peut faire ça aussi. Ça serait vraiment très très important, très très intéressant de trouver tout ça rapidement. Donc ouais, j'espère que on y arrivera de trouver ça vite la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Est-ce que c'est risqué de dormir ici? Honnêtement, oui, mais avec un sac de couchage en peau d'ours, en fait, vous risquez rien. Je pense pas. Ouais. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!